Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce live hors sujet ou hors service, HS, hors service, hors sujet. Bonsoir Kamikaze, bonsoir Rosalind. On va pas être beaucoup hein, ce soir, minuit 42, 43. Voilà, c'était pas du tout prévu que je fasse ce live ce soir. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, autant lancer un petit truc ce soir. J'attends qu'une impression se termine. Je vais en parler juste après. Mais bon, voilà. Bienvenue ici. Alors, du coup, ça me répond sur les réseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je ne sais pas. The live is a lie. Ah oui, puis du coup, tout le monde me dit que j'arrive en live à minuit 40. Dodo. Eh ben non, pas dodo, puisque impression 3D. Du coup, je me disais, tiens, je vais peut-être commencer à revoir mes cartes électroniques pour le robot de la coupe. Je pense que je vais pas rester longtemps ce soir. Écoute, oui, ce soir. Ce soir, cette nuit, il y a quand même des gens qui se connectent, hein. Il y a du monde. Vous êtes nombreux à être pas couché, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je viens de me lever. C'est beau, ça. C'est beau. Alors, je vais passer sur... Bon, il n'y aura pas de récap de la semaine. Je vous rassure, hein, le live de tout à l'heure est maintenu, hein. C'est juste que... voilà. Ça me faisait marrer de faire un live la nocturne, un peu à l'arrache. On va ouvrir. En fait, ce soir, j'avais envie de revoir. Yes, cette carte-là. Une carte qu'on avait faite un peu à l'arrache l'année dernière. Voilà. Et qui est la carte qui nous permet de gérer l'arrivée d'Alim sur notre robot. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que on gère le bouton d'arrêt d'urgence, 4 sorties, une entrée batterie, ici. Et l'idée... Tiens, c'est marrant, ça. Et l'idée, c'est qu'on a 3 LED qui nous permettent d'indiquer l'état du robot. Donc, c'est batterie branchée, bouton d'arrêt d'urgence enclenché ou bouton d'arrêt d'urgence déclenché. Et ces 3 LED-là, on vient les sortir sur le front du robot. Voilà. Et du coup, il y a plusieurs problèmes avec cette carte. Déjà, elle est grosse. Elle est très grosse pour pas grand chose, surtout qu'on utilisait des composants traversants. On utilisait aussi des connecteurs de puissance que j'aimerais changer cette année et qui me prennent énormément de place en fait sur le circuit. C'est les pièces du mini robot qui sont imprimées. Ouais. En fait, j'avais un reste de bobine. Je pensais pas le faire en fait en ce moment. Parce que du coup, comme j'imprime les visières, je prenais toutes les fins de bobine pour pouvoir faire des visières. Et en fait, je n'arrivais pas du tout à imprimer ce plastique, un vieux plastique qui restait chez moi, parce que toutes mes imprimantes de prod, elles sont avec extrudeur au bout d'un abandon tube. Et il y a que la Hephaestos qui est en direct drive. Et du coup, comme je peux pas imprimer de visière avec celle-là, je suis en train de recycler mon plastique. Et c'est le carter du robot. Je vais peut-être le réouvrir en même temps. Allez, on est déporté. Salut Tuxun. Salut. Jusqu'au bout de la nuit. Ouais, jusqu'au bout de la nuit. All night long, baby. Bon, je joue sur l'autre écran, alors je vais pas trop suivre. Oh, à quoi tu joues, Alf? Ça m'intéresse. Ouais, on est complètement à l'arrache ce soir. Extrudeur déporté, c'est les modes que tu cherchais. Ouais, extrudeur déporté, oui, merci. Tu sais, minuit 42, minuit 47, mon dieu. Moi, je suis plus trop frais, hein. Je vais peut-être même me refaire un café. Bon. En extrudeur déporté, généralement, ça se passe bien. Mais alors là, le plastique était cassant et c'était un peu l'enfer dans le tube. Du coup, j'ai abandonné. Je préfère pas perdre de temps avec ça sur de la prod et utiliser que des plastiques qui fonctionnent. Et du coup, là, ça imprime le châssis. Châssis, ben, je peux vous le montrer, je le remontrerai demain de toute façon.
Ah, il cassait dans le Bonden. Bah alors déjà il a cassé une fois et du coup ça m'a un peu fait chier parce que du coup comme j'utilise beaucoup de rétractation sur mes pièces, j'en imprime plusieurs en même temps, bah du coup ça n'allait pas. Et puis non, il n'y accrochait pas, enfin bon bref, j'ai pas trop cherché plus loin. J'ai préféré me consacrer à de la prod qui fonctionnait bien. Et puis voilà quoi. Tiens, je vais mettre un peu de musique. Allez-y. Donc voilà, j'ai préféré me consacrer à des trucs plus importants et puis ben voilà, imprimer le châssis qui est en bleu, 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 des couleurs qui est en vert. Voilà. Comme ça, peut-être que demain on pourra commencer un petit peu à faire comment dire, le test d'assemblage. Ça sera pas trop mal. J'ai passé la journée à écrire une documentation du code Evolutech, 15 pages actuellement. Ah oui, c'est pas mal. Belle documentation pour le code, c'est bien de documenter son code. Donc voilà, donc en fait par rapport à la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'ouverture pour l'arme. J'ai fait. Le texte commande est un peu chiant. J'ai fait le support pour pouvoir mettre l'axe de l'arme. Peut-être qu'on designera ça demain. Ouais, je suis peut-être un petit peu ambitieux pour demain. J'ai créé les deux clips pour les moteurs. Et puis du coup la fixation du cerveau. J'ai aussi modifié un peu les dimensions parce que sinon ça passait pas. Pour le servomoteur moteur qui est relativement grand hein, quand même. Et puis deux supports pour les roues, ça j'expliquerai aussi ça demain, mais pour pouvoir mettre mes roulements dans mes roues, parce qu'on va quand même mettre des roulements dans les roues. Et ça c'est voilà, heureusement quoi. Il faut mettre des roulements dans les roues, c'est important pour que ça tienne correctement. Vérifie quand même parce que comme c'est un fin de bobine. Non, c'est bon, ça va. J'aimerais pas que ça s'arrête, genre à quelques millimètres. Je vais mettre des filaments de bobine en plus. Donc voilà, donc il y a ça qui a bien fonctionné. J'aurais fait une arche à l'ouverture du U de l'arme pour rigidifier avant le robot. Ici, tu veux dire? Là? Ouais. Je sais pas trop. Effectivement, je me pose la question. Après, il va y avoir une plaque tout en dessous. Tu vois, avec les, c'est ce que j'ai fait aussi, les 5 trous qui sont là et qui va venir tenir le robot. Donc, je verrai bien si c'est pas suffisant, effectivement, venir mettre, en fait, venir continuer ici. J'ai vraiment hésité, en fait, à ouvrir là ou à laisser fermer. Écoute, on testera demain. C'est vraiment une question que je me suis posée, effectivement, tout à l'heure, mais je savais pas trop où la mettre, ici ou au-dessus. Surtout qu'avec la plaque du dessus là que j'ai pas modélisée. Bon, écoute, c'est bien, il y aura des choses à tester et à changer quoi. Ça t'éviterait de mettre des vis, ça fait une butée pour ton arme, pour pas tordre ta plaque. Ouais. Ah, c'est pas faux. Après l'arme, je l'ai pas encore trop designée. Elle va être quand même assez. J'ai envie de faire quelque chose de quand même relativement costaud. Mais bon. Oh écoute. Ce châssis va être amélioré au moins une vingtaine de fois, je pense, avant une nouvelle réimpression. Je pense que la première impression va nous donner beaucoup d'informations sur comment ça se comporte. Parce que je vois très mal comment ça va fonctionner et comment ça va se comporter sur un petit comme ça, un petit châssis. Ça sera vraiment très intéressant. Surprise live, salut Tic Tac, bande de souhaits, surprise! Je te host by the way. Ah ok, merci, merci Kamikaze. Du coup, deux vis pour la plaque, ça ferait une arche. C'est pas faux. C'est pas faux. Deux vis pour la plaque, ça ferait une arche. Non, bah écoutez, on verra ça quand ça sera imprimé. En tout cas, bon, ça m'a fait marrer de travailler un peu là-dessus cet après-midi. Et puis, du coup, sur le pneu, du coup, j'ai fait le moulage. Pareil, je vais en reparler demain. J'ai pas du tout assemblé d'ailleurs. Il y a plein de trucs qui vont bien, il y a plein de trucs qui vont pas. En tout cas, j'ai validé la technique. Et devant vos yeux, Zebobi, en live, voilà. Tadam! Le pneu. Alors, il a une sale gueule parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Notamment ça, en fait, j'ai pas bien plaqué le plastique, mais justement, le moule était pas bien fait pour pouvoir éviter ça. Par contre, c'est assez surprenant, ça marche très très bien. J'ai pas eu de problème pour pouvoir le mouler. Le moulage s'est très bien passé. Ça ressemble un peu à du silicone, mais en beaucoup plus souple. C'est vraiment très surprenant. C'est très très surprenant et ça fonctionne vraiment plutôt bien.
Faudra tester l'accroche. Par contre, clairement, c'est de la pièce de. Comment? C'est de la pièce de. Enfin, ça va péter. Ça va péter très rapidement. Il va falloir faire des pièces de rechange. Mais l'avantage, c'est que voilà, ça coûte rien, quoi. Vraiment. C'est quoi le mélange que tu utilises? Du coup, je remontrerai demain parce que là, je suis en train d'éditer la vidéo vite fait. Mais j'ai foutu en fait du silicone. Alors, c'est important que ce soit du silicone et pas du mastic. Silicone dans de l'eau savonneuse avec beaucoup beaucoup de savon. Tu malaxes ça pour bien que le savon passe dedans et puis après tu coules. Mais alors du coup ce qui est bizarre c'est que moi j'ai déjà utilisé des silicones pour du moulage et en fait c'était liquide et j'ai conçu mon moule comme si c'était du silicone liquide, ce qui est complètement con parce que c'est pas le cas là et en fait ça fait une genre de pâte, c'est très proche de la, comment dire, faut traiter ça comme si c'était du comment dire, c'est vraiment très très bizarre, genre de la pâte à sel. Tu vois, je vois pas trop de meilleur truc à dire. C'est vraiment très caoutchouteux en fait. Et donc du coup, tu peux pas le couler, faut vraiment le presser en fait. Il aurait presque fallu le mettre dans une seringue en fait. Je suis en train de me dire, tiens, une seringue, ça aurait été pas trop mal. Et de presser comme ça le mélange. C'est un peu comme du silicone de joint quoi en fait. C'est ça qui est marrant. Avec le reste, j'ai fait une petite balle rebondissante. voilà. Ouais, de la pâte à modeler, mais ouais, peut-être de la pâte à modeler. Sauf que ça casse pas en fait. C'est ça qui est. Ça reste très élastique en fait. Plutôt comme du chewing-gum en fait. Du chewing-gum qui collerait pas, on va dire. Ouais, plutôt ça. Genre un chewing-gum mou dans de la flotte. Ouais, voilà. C'est exactement ça. C'est vraiment un gros chewing-gum. Plutôt. On est vraiment là-dessus, je trouve. Mais très 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 surpris du résultat. Je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner à ce point-là. Et non, ça donne plein d'idées pour la suite, quoi. Du coup, j'utiliserai clairement pas ça, par contre, pour faire un robot pour la coupe. Mais pour des petits robots comme ça de combat ou des petits robots qui vont pas faire long feu ou des voilà. Ça, pour le coup, c'est vraiment un bon truc, quoi. Anyway, on va revenir sur mais pourquoi pas. Du silicone. En fait, ça sèche pas. En fait, du silicone tout court, ça va faire une genre de pâte, ça va accrocher, ça va pas du tout sécher. Je l'ai déjà fait. Hein. C'est vraiment infernal. Et en fait, le savon, en fait, le PEC que tu mets dedans dans la flotte, ça va agir comme un catalyseur, si j'ai bien compris. Je suis un peu nul en chimie, hein. Mais c'est ça qui va te permettre, en fait, déjà au silicone de sécher beaucoup plus vite, uniformément, et puis de rester du coup comme ça souple après. Ça a l'air fun en tout cas, même si c'est effectivement pas le plus indiqué pour la coupe. Après, je sais pas, peut-être, tu vois, avec d'autres mélanges, ça marcherait aussi. Il faudra peut-être essayer quoi. Mais ça me fait beaucoup penser à ce que j'avais fait comme essai avec des silicones industriels en fait. Sauf que c'est très mou quoi. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est vraiment vraiment très mou. Pour des robots qui sont légers, ça va. Tu vois, un robot de la coupe comme le nôtre, qui est relativement lourd quand même, c'est pas hyper indiqué, quoi. Ou alors, peut-être plus fin et étiré. Voilà. Mais je suis bien content d'avoir fait cet essai-là, parce que ça va permettre d'orienter un peu le design qu'on va faire demain. Notamment, là, j'ai fait du 35 pile poil en termes de taille. Je l'ai même pas mesuré, tiens. Si, c'est rétracté. C'est pas évident de mesurer un truc souple. Non, il n'a pas trop bougé. Je suis à 35. Du coup, peut-être que je le ferai un peu plus petit en fait au niveau de la jante pour pouvoir avoir quelque chose qui se plaque bien. Bon, bref, on verra ça demain en conception. Mais non, non, très très surpris. Et puis en plus, du coup, enfin, moi, des silicones, comme j'ai refait ma baraque, j'ai plein de vieux tubes qui ont pas trop fini. Donc celui que j'avais, il était sec sur un morceau, je l'ai sectionné, j'ai vidé une partie, un fond, et du coup, ça m'a permis de le récupérer. Donc, du coup, c'est pas mal, ça coûte pas cher et on peut le teinter. Du coup, c'est assez rigolo, je trouvais. J'ai failli prendre un pot, un kilo de RTV pour faire des moulages alimentaires, un truc imprimé en 3D.
Ah oui, il vient avec le catalyseur. Ouais, bah souvent c'est des produits que tu mélanges, tu mélanges un pour un ou selon les conceptions. Enfin, nous ce qu'on utilise c'est du un pour un. Et oui, t'as les deux produits et quand tu mélanges, pouf, ça active le truc. Selon combien t'en mets, t'as un pot life qui est plus ou moins long. Puis après, quand tu coules, t'as un temps de séchage aussi qui est bien inférieur à ça, hein, pour le coup. Moi sur ce que j'avais utilisé. Mais bon, après ça le fait quoi. Là, je crois que j'ai dû attendre 5-6 heures. Bref. Alors ça dans mon garage aussi, je testerai ça à l'occasion. Bah ouais, franchement, c'est très très cool quoi. C'est très très cool. Excusez-moi. Hop, hop. Ok, alors. Je vais revenir sur. Mais enfin non. Attendez, parce que du coup, comme j'ai lancé ça tellement à l'arrache, que j'ai. Merci Twitch de te lancer. Ah, c'est sympa ça. Que j'ai pas du tout rien préparé. C'est un peu abusé. Ah, tiens, ça c'est marrant ça. Alors. Ok. Ok, complètement à l'arrache. Hop. Voilà, il y a tout qui s'illumine. Ok, bon. Allez, go. Alors, le temps que ça se termine. C'est marrant, j'avais envie de la tourner, la carte. J'ai encore mes réflexes de fusion, j'ai appuyé sur Shift, clic molette. Alors, je pense qu'on va créer une nouvelle version de cette carte dans 2020, même si ça sera plutôt une carte pour 2021. Alors, on va créer un nouveau dossier. Ah, merci mon clavier qui s'est changé. J'aime quand il fait ça. Ouais. Et puis on va faire quelques petites modifs dedans. Alors moi ce que je vais déjà modifier, c'est les packages des LED et des résistances pour passer en CMS. Ça va me faire gagner un peu de place. En fait ça c'est une carte que j'ai designée en 2018. C'est marrant et qu'on a utilisée qu'en 2020. Parce que entre 2019 et 2000, entre 2018 et 2020. Il y avait des trucs qu'on n'avait pas encore certifiés, notamment ce composant-là, le relais. On n'avait pas encore exactement celui qu'on voulait en fait. J'arrive pas à discerner tes bruits d'impression des miens. Après, je sais pas, vous continuez d'imprimer la nuit parce que moi je coupe mes bécanes la nuit en fait. Dès que la dernière impression elle est terminée, je relance pas, je relance jamais la nuit en fait. J'ai trop trop peur. En fait, il m'est arrivé une bricole un coup et du coup maintenant ça m'a vraiment, j'ai plus trop envie d'essayer quoi. Avec ou sans le casque, c'est la même ambiance. J'ai fait une boîte autour. Bah, c'est mon prochain atelier, c'est prévu en fait de mettre mes deux imprimantes dans une boîte plus ma petite fraiseuse. Ce serait quand même vraiment le top. Bon, après, ça fait pas beaucoup de bruit, mais là, tu vois, ça fait 2 semaines et demie que j'en ai 4 qui tournent dans l'espace qui est là. Et ça, plus les vapeurs de PLA, je peux te dire que c'est pas ouf. Ah, mais c'est pas un bug du bug Discord. Tu startes vraiment un stream à passer minuit. Ouais, je sais. Ça va pas être un stream très long. Hein. D'ailleurs, tu vois, regarde, j'ai ouvert le truc, j'ai encore rien foutu. Alors. Oh mon dieu. Pourquoi il m'a pas. Je vais aller chercher mes LED. Non. Où est-ce que sont mes. Ah oui, non, fab. Il m'arrive de me lever quelquefois pour relancer les impressions. Mais toi, tu dors juste à côté parce que moi, en fait, c'est ma pièce là, en fait, elle est à l'extérieur de ma baraque. Du coup, si tu veux, je suis moyen sécurisé, quoi. Après, ça dépend si tu imprimes des trucs qui ont souvent réussi ou jamais foiré. Bah, franchement, la fois où ça a merdé, c'est sur un truc que j'avais imprimé au moins 100 fois, quoi.
Et c'est pas véritablement, en fait, c'est pas véritablement le print qui a foiré, c'est vraiment la bécane qui a eu un problème, tu vois. Et voilà, t'es jamais à l'abri d'une connerie. Tu sais, des fois, dans des bécanes comme ça, ou surtout sur les AlphaWays qui sont des bécanes chinoises, franchement, si certains ont des AlphaWays, vous avez déjà, regardez la gueule du connecteur de puissance des AlphaWays, c'est soudé, mais n'importe comment. Et nous, sur les notes, on les a tous changés parce que, y en a une qui s'est éteinte un coup. On a vu ça comme ça. Et en démontant, on s'est rendu compte qu'en fait, le connecteur avait noirci. Et en fait, il était à peine soudé. C'était un connecteur de merde. Ça faisait un faux contact. Donc, à chaque fois que ça se déclenchait, ça faisait une étincelle de rupture. Le truc était, mais cramé de chez cramé, ça aurait pu prendre feu, honnêtement. Et donc, du coup, franchement, je fais super gaffe maintenant. Fondu mon connecteur de puissance, oui. Ouais, sur les premiers heated beds que j'avais rajoutés sur des Ultimakers en 2013, le connecteur était pas foufou. C'était un peu le même genre de connecteur d'ailleurs. Et on en a un qui a pris feu aussi. Ouais. Donc, comme quoi. Donc non, non, j'avoue que je fais assez gaffe maintenant à ça. Ah bon. J'aurais dû changer le package. En fait, je suis un peu débile. Est-ce qu'il va me le... Ah oui, mais là, si je fais package... Ah bah si, très bien ça. RU 206. Voilà. Je fais de la merde. J'ai même pas les yeux en face des trous là. Voilà. Du coup, ça, on va se le supprimer, on n'en a plus besoin. Et du coup, je peux aussi changer. Alors, ça dépend de quelle librairie je l'ai pris. Ah ouais, mais c'était une librairie de merde. Donc, je suis obligé de le changer. Off. Est-ce que je peux pas faire un replace? Et il va me le. Ah non! J'ai essayé de remplacer une lettre par une résistance. Bien joué! Bien joué! C'est quoi la différence entre la FAB 1206? Ah, la FAB 1206. Un package 3D. Go pour le package 3D alors. Yes. Ok. Genre une rampe, c'est la carte. Non, c'est un truc un peu chelou. Un truc custom à eux. Et ben ça fait un peu peur. Hein. Ça fait un peu peur. Ça, c'est les connecteurs verts au pas de 5 08, j'ai un doute, qui viennent sans fichier. Sauf que c'est pas le modèle bien propre, tu vois. Hey, merci Cogiter 972. C'est pas le modèle bien propre, tu vois, qui s'en fiche correctement avec les grosses pins mâles et femelles. C'est un truc un peu chelou, très très souple. Et il tape pas les lamelles guides sur les côtés. Donc, du coup, le connecteur, il fait ça. Et il fait ça aussi. Donc, bon, voilà. Un gros connecteur vert. Ouais, c'est un gros connecteur. Attends. Le problème, c'est que je vais essayer de le trouver. Puis, je vais taper gros connecteur vert. Et puis, voilà. Je vais entendre un bruit très chelou sur l'impression. Mais ouais, c'est un genre de gros connecteur vert. Et c'est vraiment, 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 vraiment pas le modèle. C'est vraiment le modèle cheapos, quoi. Et ça fait un peu peur. Rien 4007. Tu bosses sur quoi en fait? Le titre Twitch parle de robot de combat, mais le file name ni CDF. je fabrique un mini robot de combat. Tiens, c'est marrant ça, je vais changer. Effectivement, tu fais bien de me le dire. Je vais l'appeler la Nocturne. La chef. Voilà, c'est mis à jour. HF? Mais non! HS! Oh, mon Dieu! HF. Je bosse sur la carte sur laquelle on a notre relais pour commuter la puissance de notre robot à partir du BAU sur notre robot de la coupe. Et comme je l'expliquais, c'est une grosse carte. Qu'on a faite il y a un peu longtemps là, 2018 et bon, qu'on n'a jamais véritablement changé, qu'on avait ramené en prod comme ça et elle prend beaucoup de place. Alors le composant milieu prend beaucoup de place, mais de manière générale je trouve que cette carte prend beaucoup de place pour ce qu'il y a dessus. En gros, tu as le relais, l'entrée BAU
3 LED et puis 4 sorties pour alimenter des trucs sur le robot en 24 volts et puis l'entrée batterie. Du coup, moi, ce que je veux faire, c'est déjà changer, voilà, j'ai changé les résistances et les LED par des modèles CMS. Ce composant-là, je vais le garder parce qu'il fonctionne très très bien. Honnêtement, j'ai pas de problème avec lui. Les connecteurs de puissance, par contre, ici, je vais les remplacer par des XT30. Parce que, en fait, j'aime bien les XT30. J'ai essayé, ça marche très bien. C'est plus simple à souder, ça me prend finalement moins de place que l'ensemble de ces connecteurs-là en coudé. Au final, et c'est beaucoup plus sécure sur les cartes. J'ai déjà eu ces connecteurs-là qui ont un peu bougé, des connecteurs Monex NSK 396 de mémoire. Et je veux mettre un vrai connecteur ici pour la batterie, en l'occurrence un XT60, et positionner le fusible dessus directement, parce que le fusible aujourd'hui est sur le, comment dire, est sur un câble. Et ça ne va pas du tout. Et là, les fils venant de la batterie sont soudés directement sur la carte. Donc, bref, cette carte-là, elle me va pas. Elle était très bien à une époque, mais là, pour nos robots, j'ai envie de, dans le même espace, de rajouter quelques fonctionnalités et d'éviter d'avoir un certain nombre de problèmes. Voilà. Alors, je dois avoir. J'espère que je dois avoir un modèle. J'espère que je dois avoir. Ce live est quand même assez incroyable. Je dois avoir un modèle de XT60. Mais rien n'est moins sûr. Hey, connecteur puissance XT60. Alors non. Et surtout. Bah non, parce qu'en fait, c'est deux trucs là que je veux changer, Coco. Ouais, c'est ça. Donc, on va pas le remplacer. On va faire OK. On va faire non. Vindu. Bon bah oui, si tu veux, oui. Est-ce que tu vas pas tout changer? Non, tu vas pas tout changer. Voilà. Du coup, le XT60, ce qui est rigolo, c'est qu'il me prend beaucoup moins de place que mon. Il prend quasiment autant de place en fait que mon système avec soudure des fils. Ça sera tellement plus propre. Et je serai beaucoup plus rassuré. Parce que là, le problème, c'est que j'ai des gros pâtés d'étain à nu. Qu'est-ce que tu cherches, Abaye, hein? Ah oui, tu cherches ça. Voilà. C'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait en routage là. J'hésite à tout reprendre, mais. J'hésite à tout reprendre. Pas tout reprendre. Ouf. Ouh. Oula, que c'est dégueulasse. Ouh là là là, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Ça sent la carte fait à l'arrache. Si je fais ça. Ok, donc ce connecteur-là, il est remplacé. Le BAU. Alors lui, il est sur un connecteur qui n'a aucun sens. NSK 396 aussi. J'ai pas besoin d'un connecteur aussi gros. En fait, techniquement, un Molex classique peut très bien fonctionner. Attendez, du coup, j'ai un doute. Non, on va prendre celui-là. Voilà. C'est un double couche de circuit. Ok. On gagne de la place. On gagne masse de place. Voilà. Je vais garder les connecteurs, les petits connecteurs pour les LED. Parce qu'en fait, j'ai les LED sur la carte. Mais j'ai aussi les LED sur mon robot, donc je peux choisir de les mettre ou pas en fait. Du coup, c'est pas si mal que ça. Ça, je vais le garder. Par contre, je vais
pas le signal. Ouais, je vais tout. Je vais tout mettre à la poubelle. Le routage. Que c'est chiant ça, j'arrive jamais à attraper le. Voilà. Alors. Nickel. Ça, on les gâche. Voilà. Ma diode. Donc, c'est une N4007 que j'avais mis là. Alors, ça, c'est un truc. J'hésite à la passer en CMS, mais j'ai pas touché au robot de la coupe depuis 3 semaines. Tout vos lives, ça fait culpabiliser. Je te rassure, j'ai rien foutu sur le robot de la coupe depuis 3 semaines. C'est de ce que j'ai fait là. Ce que je fais là, c'est la première fois que je m'y mets sérieusement. Voilà, donc pas de culpabilité à avoir, tu sais. Godiot CMS, moi je dis. La remplaçante de la N4007 en CMS, c'est quoi? C'est du. C'est une diode M7, c'est ça? J'ai un doute. Ampères, kilovolts, n'importe quelle diode 1 ampère, non? Oui, c'est vrai. Kilovolts, parce que j'ai des. en fait, j'ai des diodes M7, donc ça m'arrangerait. Courant d'impulsion max 30 ampères, ok, redresseur, machin. Oui, donc ça a l'air d'être bon. Et si je regarde la N4007, pourquoi j'ai mis une N4007 moi d'ailleurs? Peut-être parce que c'est ce que j'avais aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement la même chose en fait. Non, c'est la tension VF max qui est pas la même, mais je m'en fous complètement. C'est complètement compatible. Le débat des dioles, on l'a déjà eu pour la balise Team Traversant. Ouais, mais je vais avoir une petite réduction de taille quand même. Et là, pour le coup, en fait, j'évaluais le fait de le laisser en traversant ou pas. Parce que des fois, le traversant, c'est intéressant quand tu veux passer d'une couche à une autre sur certains composants. Là, en l'occurrence, sur certains cas, là, en l'occurrence, j'ai pas de, y a pas besoin de passer de, bah, d'une couche à l'autre, puisque de toute façon, j'ai déjà la possibilité de le faire avec ces deux pinoches-là. Donc, y a pas de souci pour le passer en traversant, moi, je dis. Non, puis souder du traversant, c'est relou. Moi, je préfère largement souder du traversant que du CMS, mais bon, ça, c'est un point de vue, voilà. Point de vue très personnel. Je suis désolé, hein. C'est parce que j'ai soudé pendant très très longtemps du traversant. Et... Alors, où est-ce que j'ai foutu les diodes? Alors ça par contre, est-ce que j'en ai une à moi? À moi? Diode, c'est pas ça. Ah, fait chier. Je vais mettre une éternité à la retrouver. Il me semblait que j'en avais une. Mais je ne suis pas sûr. Je suis le seul de Team SMD. Non, je suis pas sûr. Hein. Bah, je pense que Alf, Kamikaze, ils sont Team CMS aussi. Il hein. N'y a pas de, y a pas de problème. Hein. Oh putain, je vais mettre une éternité à la retrouver. Moi, je fais souvent que du SMBN. Attendez, je vais rouvrir une instance de Eagle. Yes, parce que je me souviens plus où j'ai foutu. Yes, pomme balise, et c'est celle avec sensor.
Et elle est dans quoi? Ah ouais, d'accord. Dans GF1, dans les Viridian. Ok, j'avais fait ça. Surprenant. Mais bon. On va la remplacer. Alors, dans Diode. Ah bah. GF1. Putain, j'avais pris GF1, pourquoi? Ouais, parce que c'est ce package-là. Non, c'est bon. Ok. Par contre, on va changer ta petite référence. Oui. M7. Voilà. Nickel. RIP. Après, ça dépend si tu fais faire le PCB ou si c'est artisanal parce que le CFD sort sur le même aspect. Non, je le fais moi-même, mais bon, pour mes cartes comme ça, même sans solder masque, il y a. Voilà, t'es pas perdant quoi. Ok, du coup, ça c'est fait. Arrêtez de jouer avec mes machins. Ces connecteurs-là, j'aimerais pouvoir les changer pour du XT30. Je n'ai pas de librairie XT30. Ça veut dire qu'il faut que je me tape une librairie XT30 là ce soir. Oh! Alors. Où êtes-vous mes connecteurs? Qu'il n'y a pas les plans qui traînent quelque part des XT30. XT30. Schéma. Merci. Schématique. Alors, est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air d'être pas trop mal représenté. La différence que les miens sont un poil plus courts, mais c'est pas trop grave. Par contre, j'ai pas l'espacement entre les pins. Ça m'embête plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre là, vite fait là? Qu'est-ce qui existerait? Déjà, est-ce que il y a un truc qui existe, Eagle? Ah oui, non, je suis dans les images. Eagle Library. Hey! Open build. Untested XT30. Ah bah c'est rassurant ça. Snapeda, bah ouais. Effectivement. Go Snapeda. Je sais pas, XT30. Il va. C'est pas fameux. Ça s'appelle retour sur Google Images, je crois. Ah, regarde, XT60. Donc si XT60 ça fonctionne. Tu dois pouvoir avoir. C'est juste peut-être qu'ils l'ont jamais fait. XT60, XT60, XT60. Enfin non, genre JST XX. Non, non, c'est pas du JST.
Yesh. C'est pas le futuriste qui cherchait ça la dernière fois? Ça me dit quelque chose. Il me semble avoir vu un truc passer un jour, il y a très longtemps. Bon, c'est pas grave, hein. Après, on peut se le refaire. Hein. Juste que je retrouve un XT30. Un dessin pas trop mal. Le drawing. Ce que je veux, c'est surtout le... Ah, super. En gros, ce serait du 5. C'est cohérent 5. Ouais, le pas de 5, ça a l'air cohérent. Bon, a priori, ça a l'air d'être pris dans plusieurs plans différents. Ça, c'est pas du XT30, ça c'est d'autres choses. Ça, c'est du XT90. Ouais. XT60. Non, mais ça a l'air d'être du 5. Putain, c'est ça là que je voudrais avoir là, les XT30 coudés là. Comment ils appellent ça? XT30 PW. Hey! Ça existe des XT30 pour le PCB? Oh, putain, c'est beau ça! KiCad. Not happy with importing des X. Ah tiens, c'est mort. KiCad is not amused. XT30 PW, attendez. XT30, est-ce qu'il y a moyen de... Je sais pas que ça s'appelait PW. Ah, yeah! Ouah, ça va me refaire ma vie, ça. Plein d'eux. J'adore. Ah ouais, non, ça c'est trop classe. Ça me donne trop envie, ça. Donc ça s'appelle XT30 PW. Je pense que ce sera un achat à faire dans pas très longtemps. Bon, dans tous les cas, moi je veux des XT30 droits, j'ai pas besoin qu'ils soient coudés. Donc on arrête les conneries. Et donc c'est du 5. Et bah écoutez, voilà, moi ce que je dis c'est que on va pas tortiller du cul pour 1. Voilà. On va aller se choper notre librairie. Hey, dans le connecteur, j'avais pas mis les trucs? Non, pas du tout. Open Boot. Voilà, on va ouvrir les connecteurs de puissance et normalement j'ai deux, et ben du coup on va en faire une version avec un XT30. Je vais prendre, qu'est-ce que je fais? J'en fais une nouvelle. Bon allez, comment je l'avais appelé? XT60. Bon bah ben, XT30 là. Create new footprint, bah oui mon coucou. Hein. Est-ce que je le positionne en Alors, par contre, j'ai besoin de connaître le diamètre de ces cocolam. Cocolastico. Je mesure 2,28. De 8, 2, 7. De 7. Ah voilà, OpenBuild appelle ça un TE254. Tiens non, alors attendez. TE254, ça n'a aucun sens. Donc, je vais te garder. Snap et da. Et donc, TE 254. C'est bizarre, TE 254, ça impliquerait que le pas il est de 254 alors que le pas il est de 5. C'est un peu étrange, non?
Alors c'est bizarre parce que on ne voit pas de XT30. Ah, le fichier s'appelait. Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu étrange. TE500, j'aurais compris, à la limite, vu que le pas est de 5. Tant pis, dommage. J'y ai cru. Je le positionnerai après. Par contre, je ne sais plus ce que je disais. J'avais dit 2. Vous êtes plutôt rond ou octogone, vous? C'est une question à la con, tu vois. Vous êtes plutôt carré ou triangle? Alors là, vous savez. Position, moins 1, moins 2, 5. Et... Voilà. On va augmenter un tout petit peu le diamètre extérieur. Ah oui, 3,81, c'est pas un ballon 3,81. Je fais 5, c'est beaucoup. Hein. 5, j'arrive à ouais, quasiment le 4,8. 4,5. Je sais pas, ouais, là ça va être. C'est chaud quand même. Hein. Ouf. Octogone, bien sûr. J'aime bien les longues en fait. Pas de jumbo. Les longues ou les offsets. Ça peut être un rapport avec le TE connectivité et rien à voir avec le XT60. XT30. Ah, c'est possible aussi. Pourquoi les octogones d'ailleurs? Je me pose vraiment la question. Toujours un truc sur lequel je bug. Je sais pas. D'un autre côté, ce que j'aime bien, c'est me dire que ça, c'est différent de celui-là. Ce qui me permet de différencier en dessous le positif du négatif. Tant qu'à faire. Donc, écoutez, on va rester là-dessus. Ça, je trouve ça rigolo, je trouve que c'est un bon compromis. 5 par 10. Bon, ça va, le paquet il est quand même très simple quoi. J'ai un truc qui fait ça. On corrigera après. Voilà. Pourquoi octogone, tu peux faire passer une piste à 45 degrés à côté. Ah. Pas mal. Bonne règle de pouce, c'est diamètre du pas égale du pad égale diamètre du trou plus 0,7. Ça fait pas grand-chose, hein? Ça fait pas grand-chose. Et 3,5. Bah en fait, c'était ce qu'on avait tout à l'heure, quoi. Je passe un peu de puissance. Après, un carré, c'est pas mieux. Si, c'est pas mal. Là, j'ai le positif. On fait ça, on fait round. Et square. Hein. Non, ça me va. Hein. D'après les standards IPC. Mais ça me fait petit comme. C'est plus petit que ce que le truc automatique d'Eagle, quoi. Mais c'est un minimum, tu veux dire, Antoine. Du coup. Ce que tu donnes comme info. Je veux dire. Moins 2,5. 2,5. Ok. Ok. Mmh.
Yep, c'est un mini. Ah, ok, d'accord. En théorie, le paquet il ressemble à ça. On est bien à 5, 2, ok. Ok. Si tu te poses une, tu sais ce qu'il te restera à faire. Oui, le mettre sur le partager. Effectivement. Ok. Juste indiquer le pôle positif de ce côté-là. Ok, nickel. Your manage library has changed. Mais oui, je sais. Ça, c'est dégueulasse. Alors, new add local package. Oui. XT30. Variante, bah XT30. Et oui. Connect. Alors le non. Non 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 non. Ok. Recreate new version. Oui. Oh, c'est long. Downloading. Non mais merci, elle est locale. On va pas me la downloader 15 fois. Hop. Et donc maintenant, cela, si... Ah oui, par contre, faut peut-être que j'update la librairie dedans, sinon il va m'emmerder. Yes, update. Il ne s'est rien passé. Non, je vais pas faire ça. Normalement, package. Yes. Oui. Ça, c'est quand même très bien, ça. Là, je vais peut-être pouvoir en mettre un peu plus que 4 en plus. Wouh! Du coup, mon idée. C'est de les positionner comme ça. Oh la vache, la place que je gagne là. C'est foufou. C'est foufou. Ah, ça c'est pas normal ça. Le plus va sur le GND. Ah. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Nine. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et attendez. Plus VBAT. Non, bah là, il l'a bien fait. Qu'est-ce que. Tu prends pas les coudées du coup? Non, non, non. Sur cette carte-là, j'avais bien l'idée de prendre des droits. Mais les coudées, ça m'intéresse pour une autre carte en fait. Bon, merde, je peux pas. Je suis obligé de tout refaire. Oh, ça me saoule. Allez. Allez-vous-en. Ça, c'est très étrange ce qui vient de se passer. Vous avez suivi ou je suis encore moi je trouve ça plutôt louche. Oups. Et puis surtout les coudées, je sais pas quand est-ce que je les aurai. Copy group. Allez, hop. Oh, allez. Alors, on se tente un 6 connecteurs. On est fou! Et là, mes amis, ici, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Est-ce que c'est mieux là? Bon, déjà, oui. Ça m'a l'air. Ok. J'aime ça. Voilà. Donc là, on est pas trop mal. Maintenant qu'on a fait ça, petit coup de sauvegarde, je sauvegarde mon endroit là, ouais, 2020. Maintenant, j'aimerais rajouter. En fait, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, un fusible.
je suis un peu perdu. Attendez. Ouais, on a un porte-fusible sur le câble de notre robot. Et là, du coup, j'aimerais bien mettre... En fait, vous voyez rien. Ouh. Vous voyez, quand je setup rien, c'est vraiment la merde, le live. Je voudrais mettre ça. En fait, ce porte-fusible-là, dessus. Le porte-fusible, on utilise des fusibles de bagnole. Je sais pas si vous auriez quelque chose d'autre à me proposer comme fusible. Mais sinon, je partirais bien là-dessus. Comme de toute façon, c'est ce qu'on a en standard et que j'utilise aussi pour les robots de la Maker Fight, ça m'évite d'avoir à racheter des fusibles en plus. Et une valeur de fusible différente. Néanmoins, je suis ouvert à toute proposition technique. Je sais plus où je les ai foutus. Ah putain, où est-ce qu'ils sont? Fuse. C'est un truc genre fuse holder. Ah, automatic fuse. En plus, je l'avais fait en live celui-là, tiens. Fusible auto, CVRA aussi. Bah, il n'y a pas beaucoup d'autres. J'avais essayé des trucs un peu différents, mais les paquets étaient gros. Et c'était violent, quoi, comme intégration. Du coup, bon, bah. Tant pis. Alors, je mets le fusible. Entre le connecteur et le VBAT. Donc, ça veut dire. Ici. Et il va falloir que je réajuste ce circuit, ce schéma qui est dégueulasse. Alors, mettre un label. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment ils s'appellent les jeunes? Les bêtes. Ah oui, merde, je suis con. N'importe quoi. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Ok, et alors attention, blam! C'est très très gros. Oh, oh, oh. On a quand même un peu gagné la place. Alors, démêlons tout cela. Alors, dans l'idéal... Bon, ça m'énerve. Ça, je les placerai après. Peut-être même les placer de l'autre côté. Oh, j'ai une super idée. J'ai une super idée. C'est pas ce que je voulais faire. Écran, please. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, c'est très gros. Écran. Écran. Écran, s'il vous plaît. Non, 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 mais c'est... C'est moi, c'est moi. Si, j'ai peut-être été un petit peu gourmand. Surtout qu'en fait, j'en ai jamais besoin de 6. Oh, je sais ce que j'ai oublié. Alors déjà, je vais pas en mettre 6. 4, je vais revenir à 4. C'est quand tu dis, démêlons tout ça, que je l'ai compris. Je vais pas en mettre 4, je vais en mettre. Je vais pas en mettre 6, je vais en laisser 4. Et je vais rajouter juste un petit connecteur. Voilà, de ce type-là. Pourquoi? Parce que j'ai toujours besoin d'avoir une prise pour mesurer la tension batterie. Et donc tant qu'à faire, autant que je le chope à cet endroit-là. Et on va peut-être essayer de tout mettre dans le même sens. Yes, c'est bon. Nickel. Du coup, j'ai ce petit truc là qui arrive, qui est ici. Ok. Alors ça, je vais les mettre de côté pour le moment. Alors.
il faut que je garde ces connecteurs-là à droite, parce que dans mon robot, c'est là où partent mes connecteurs. Enfin, c'est de là où tous mes câbles arrivent pour choper le jus. Donc, qu'il soit là, c'est très bien. Je pense que lui, sa position naturelle, c'est forcément là, avec le connecteur batterie en dessous. Voilà. Maintenant, ayant mis ça, je peux le laisser ici. Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai besoin du connecteur ici, voilà, qui lui va venir prendre je vais mettre comme ça pour avoir la possibilité d'en mettre un coudé si jamais il faut, qui va juste venir prendre la tension batterie et que je vais pouvoir ramener sur mon sur le devant du robot. Ça, c'est bon aussi. Bon, tu pourrais intégrer l'indicateur de batterie à la borne. L'indicateur de batterie, en fait, il est à l'arrière du robot. Ah, attendez. Voilà. Et je mettrai en haut des quatre connecteurs. Bah, c'est pas logique par rapport à mon câblage. Parce que là, pour le coup, je vais même dire un truc, c'est qu'en fait, il faudrait presque qu'il soit là. Pour que ça me fasse pas chier, en fait. Parce que... Hop là. Oups. C'était la valise. Elle était pas fixée. Voilà. Alors attendez, ce que je me disais tout à l'heure, c'est de vérifier que la partie droite du PCB ira dans la partie haute du robot. Alors bah, en fait, vous allez tout de suite comprendre comment c'est foutu. Alors en fait, oula, non, pas du tout. C'est le problème d'avoir un carter. Tant pis. La carte, elle est là. Vous voyez, c'est cette carte là. Voilà. Du coup, de ce côté là. C'est là où j'ai mes départs de batterie pour arriver sur mes cartes. Électriquement, ça a plus de sens. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ah oui, j'ai un boy beaucoup plus petit. Non, 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 elle est vraiment très grande, cette carte. Après, le robot est pas très grand non plus, hein, mais... dans l'idéal, mes quatre connecteurs pour mes LED, je voudrais les avoir en haut. Donc, je voudrais avoir... si je... Le compagnie, il va vous manquer une caméra, mais c'est logique. Dans l'idéal, voilà, je devrais avoir... ça, voilà, voilà, comme ça, pour avoir mes connecteurs en haut, pour avoir mes diodes ici, d'ailleurs, tant qu'on y est, voilà, comme ça, dans ce sens là, comme ça je peux intégrer des connecteurs à 90 si je veux. Ensuite, mon BAU, il est au dessus, donc ça veut dire que mon connecteur, il devrait être aussi en haut, donc le BAU il devrait être là aussi. D'ailleurs, je me dis qu'un le BAU avec le même connecteur que les LED, c'est pas une super bonne idée, mais bon, passons, on pourra modifier après. Mon arrivée batterie, elle se fait bien en bas ici, donc ma batterie est là, donc ça paraît logique. Et mon écran pour afficher le niveau de batterie, il est là, donc il peut être bah, toutes de ce côté-là, mais pas forcément de ce côté-là pour éviter de se croiser et de passer au-dessus de la carte, a priori. Donc en fait, ce truc-là, le placement qui est là, il est pas mal. Il est pas si mal que ça. Alors après, faut voir les connecteurs, comment ils sont foutus et comment est-ce que je peux les positionner, mais en vrai, on n'est pas trop mal. Alors, par contre, ce que je disais, on va lui laisser un peu de marge au coco, là. Ce que je disais, quand même, c'est que le connecteur, je vais revenir sur le bureau, le connecteur du bouton d'arrêt d'urgence, qui est le même
que les connecteurs de LED, ça fait un peu chier. À la limite, je pourrais mettre du mini JST, mais j'en ai pas, donc ça veut dire qu'il faut que je me restocke avec du mini JST. Bon, c'est un peu chiant. Ok, alors, le dernier truc que je voulais, je pensais faire. Alors, on va peut-être continuer à démêler un petit peu là. Est-ce que tout paraît logique? Là qui arrive là, qui arrive là, qui part là, qui part là, au BAU, nickel, ça c'est facile à faire. Par contre, le VBAT qui est là, il croise tout. On va plutôt le mettre de ce côté là. Bah, c'est marrant, ça l'accroche, elle s'est pas faite. Ok. Le VAU. Ok, c'est marrant ça. Ah. Ok, qui va. On est d'accord qu'il y a un souci là sur cette. Ah oui, non, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Et là. Mon goût qui est là. Bah écoutez, honnêtement. Honnêtement, c'est pas si mal. Est-ce que je peux. Ok. Récupérer mes signaux là. En fait, je me dis que les LED de ce côté-là, elles ne me servent pas à grand-chose. Comme mon carter est transparent, je pense que je vais mettre les LED de l'autre côté. Pour voir à travers mon carter. Ça sert à rien qu'elles soient au-dessus de ma carte, techniquement. En fait. Donc, je vais juste les placer et je vais les inverser. Je les mettrai de l'autre côté après. Oh bah finalement on s'en sort. Hein. Il y a de la place quand même sur cette carte. On peut même rajouter un. Allez. J'en mets trop de. Par contre, c'est le schéma qu'il faut vraiment que je refasse. C'est vraiment. J'aime pas du tout ce que j'ai fait, ça paraît pas logique. Typiquement, j'ai cherché pourquoi j'avais ça là. Voilà, par exemple, ça m'énerve. J'ai envie de le positionner là, quoi, ça va pas du tout. Je viens de récolter et relancer l'impression, je vais en profiter pour me coucher. Rapport au sommeil. Bonne nuit blanche. Non, mais moi j'ai bientôt fini, en fait, l'impression c'est terminé, donc je vais pas tarder non plus. C'était vraiment histoire de lancer un petit truc sympa avant d'aller se coucher. Et puis de toute façon, en fait, j'ai quasiment terminé. Il restera le routage, mais honnêtement, c'est pas le plus. Ça va être le plus dur. Je vais laisser un peu de place pour ce paquet là. Qui est un peu gros et je vais me décaler de ce côté là voilà et on va inverser yes voilà et comme ça elles seront de l'autre côté ce sera quand même beaucoup plus classe est-ce que je les laisse à cette position là, oui. Alors il y aura juste ce petit connecteur là qui est un peu chiant. C'est vrai que comme disait Alf, électriquement c'est plus logique de l'avoir là. Au niveau du câblage, c'est plus logique de l'avoir là. Mais j'ai envie de dire en fait, ce connecteur là. Non, je me suis planté. En fait, enfin non, je me suis pas planté. Aujourd'hui, il est branché ici. Donc, il s'allume uniquement quand je mets en route là, le bouton d'arrêt d'urgence.
Mais en vrai, il faudrait qu'il soit tout le temps allumé, puisque c'est mon témoin batterie, en fait. Donc, je vais pas le mettre là, en fait. Je vais pas du tout le brancher sur le 25, sur le 24. Je vais le brancher sur le VBAT. Et je vais même le brancher avant le fusible. Quoique, avant le fusible? Non, 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 après le fusible. On sait jamais. On va essayer de ne pas avoir des trucs qui sont branchés sur le fusible, sur la batterie en direct. Le moins de trucs en batterie, sur la batterie en direct, ce sera très bien. Voilà. Voilà. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je viens de faire là? Il y en avait deux? Mais pourquoi? Bah non. What? Les mystères des gars. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû dupliquer un name, un truc comme ça, un label. Ah non, j'ai mis un label, c'est pour ça. Yes. Et du coup, là, tout de suite, tout le routage, il se fait beaucoup mieux. Et j'ai pas presque envie de dire que si on fait ça. De toute façon, je vais faire un plan de masse, donc. Ouais, mais comme ça sera plus direct. Ça me plus logique comme ça. Est-ce que j'ai de la place là pour mes. C'est un tout petit peu plus de place pour les vis. Celui-là, il est bien évidemment mis un peu sur le côté parce que c'est pas le même. Ça m'embête d'avoir le même connecteur. Bon, après, c'est pas grave en soi. Est-ce que j'ai de la place pour mettre un. Les NS496, ils sont quand même très très gros pour ce que c'est, quoi. Donc là, y a pas de puissance. Non, par contre, là. Oh. La diode, on va la mettre un peu plus loin. Ok. Bon, bah, c'est pas mal ça déjà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Du coup, je vais pouvoir faire des beaux plans de puissance. Et puis après, ça passera de l'autre côté. Donc ça, c'est nickel. Bon, bah, impeccable. Bon, je vais pas faire le routage ce soir. Je vais m'arrêter là. Par contre, je vais décoller ma pièce. Alors, on va décoller la pièce. C'est souple là par contre. Waouh, le brim est très épais. Salut Antoine. De des processing.
On va sortir les cutters. Bien, j'aurais fait tous les gabarits de robot cette année. Du plus gros sur un Maker Fight au plus petit. En passant par les moyens avec. Hop, avec les robots de la coupe. Il ne reste plus que ceux à échelle humaine. Après, il est très gros. Allez. Bon, alors clairement, imprimé dans ce sens-là, pas très beau quand t'as pas de plateau chauffant. Bon, après, ça le fait. Cherche pas, tu n'as pas de budget. C'est clair. J'ai ni le budget ni le temps de toute façon. Franchement, c'est trop drôle de se dire que... Voilà quoi. J'ai le troisième qui a la machinerie. C'est très très drôle, je trouve. C'est très très drôle. Je finirai le nettoyage demain. Ouh. Je t'ai juste voir si le... Si un servomoteur passe. Servomoteur. Et tu sers le moteur. Tu vas. Yes, nickel. Ça passe. Nickel. Bon, pour visser cette vis-là, ça va être un peu l'enfer. Pourquoi c'est très très sombre? Ah, je sais pourquoi. Non, c'est toujours très très sombre. Ah non, c'est parce que c'est mon écran qui est pourri. La vraie question, c'est est-ce que ça pèse bien 43 grammes? Ah, ça pèse un peu plus que 43 grammes maintenant avec les trucs. Je crois qu'on était à 55. Maintenant, il faudrait que je pèse. Malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais pas de balance très précise chez moi. J'ai que des balances de cuisine analogiques. Et donc, je suis à la dizaine de grammes près. Ce qui est intéressant, mais finalement, on ne va pas beaucoup me servir là, pour le coup. C'est très très rigolo, hein. C'est très chouette en tout cas. C'est très chouette. Donc, là, ça veut dire aussi que, vous voyez, un truc, on se rend pas compte quand on fait un peu de conception. Comme ça, c'est les câbles, quoi. Là, les câbles, ils sont longs, quoi. Il y a tout ça de câbles. Donc ça veut dire que, mettons que le récepteur, à mon avis, il va arriver là. Avec l'ESC qui va arriver ici, il va falloir que je réduise la taille des câbles. En fait, même peut-être à mettre le récepteur de ce côté-là. C'est pas mal de l'avoir en main, en fait, de se rendre compte à quel point il n'y a pas beaucoup de place. Faire un petit essai avec un. Un des moteurs. Alors par contre, il faut que je démonte. Bon, c'est con parce que j'ai pas de moteur d'avance. Je peux pas laisser celui-là en fonctionnement pour tester l'autre. Ouais, bon, c'est pas grave. Hop.
ce moteur là. Déjà voir si ça fit ou pas quoi. Parce que si ça fit avec le reste de bobine, j'ai la possibilité d'imprimer les petits supports de moteur qui viennent ici. Du coup, ça sera nickel. Je vais débrancher. Hop là, voilà. Yes. Alors, est-ce que ça marche? Yes. C'est bon, j'ai pris assez de marge. Donc l'idée en fait que j'avais, et qu'on verra du coup demain en fabriquant les roues, c'est que je vais avoir, j'ai ma roue qui passe là, donc qui est beaucoup trop épaisse par rapport à mon pneu là qui est beaucoup trop épais, hein, mais en gros ça va passer à cet endroit là. Et mon idée, c'est d'utiliser des petits roulements, des MF83ZZ. Donc ces petits roulements là, voilà, de les mettre dans la roue, voilà, ici. Et pour l'axe, en fait, comme je veux alléger un maximum le robot. Alors je sais, c'est pas très propre comme axe, mais vu la gueule du robot, vu ce qu'il va se prendre, c'est pas grave. J'étais parti pour venir faire un axe avec une vis à plastique en fait. Donc en gros l'idée c'est de tirer ça. J'ai pris un peu trop long. Alors ouais, je sais, c'est pas idéal. Mais ce que j'ai besoin, c'est juste d'avoir un petit axe quoi, en fait, une petite reprise d'effort, pas avoir directement la roue qui est montée sur le moteur quoi, en fait. Voilà. Alors en noir, c'est pas très très visible. En gros, j'ai la vis qui sort là. Il faut imaginer que j'ai le moteur de l'autre côté avec le roulement qui est mis dessus quoi. L'avantage, c'est que ma vis, elle est très légère et j'ai pas besoin de rajouter un écrou dedans, donc je gagne en poids. Et puis du coup, je peux je peux avoir mon axe dans ma roue. Hop. Voilà. Bon, mais ça marche pas trop mal, hein, cette histoire. Non, c'est tout kiki, hein. Donc c'est nickel. Nickel, nickel. On sert au moteur là. Clac. Alors clairement, du coup, je vais pas pouvoir utiliser les équipements qui étaient là-dedans, quoi. Je joue, c'est dur à suivre. Oh, t'inquiète pas, c'est pas très 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 mouvementé ce soir. Et puis même pour la batterie en fait, là ma batterie actuelle passe pas, et donc j'ai peut-être trouvé une idée pour les batteries. En fait, c'est de prendre des batteries de 1S, des stick batteries, et pouvoir les mettre à cet endroit là. Ou derrière, enfin faut que je regarde quoi. Mais il y a peut-être cette solution là. Ah bah écoute, avec plaisir, hein. Avec plaisir. Bon, bah voilà, nickel, une bonne chose de faite. Je pense que là, pour les premiers temps, la batterie, je vais la sticker au-dessus. Le temps de recevoir tous mes trucs. En fait, je pense que toute mon électronique, là, je vais la coller au-dessus pour faire mes essais. En tout cas, c'est pas si évident que ça, hein. Un petit robot, ça fait un beau petit projet. Et... Par contre, j'ai aucune idée de si on est à...
à 150 grammes ou pas. Normalement, on n'est pas encore trop mauvais à ce niveau-là. À voir avec tout, avec les vis, etc. J'ai commencé à regarder. Ah oui, trop bien! Trop trop bien! Alf est dans la place. Ça, c'est cool. Mais 150 grammes, c'est super chaud. Ouais, grave. Grave, grave, grave. C'est. Oups. Pardon. Ouais, 150 grammes, c'est très très chaud. Et ça monte très vite, en fait. Même sur l'impression, tu vois, la semaine dernière, on avait réussi à descendre. Et là, en rajoutant, bah, les trucs nécessaires, quoi, les petits trucs d'impression pour pouvoir mettre les vis, pour moi, les machins, etc. Tu montes vite, t'as bim, 10 grammes d'un coup, t'as rien compris. Du coup, d'un côté, j'ai un trop petit périmètre, de l'autre, le poids limite est trop bas. Ah, mais tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Non, mais c'est rigolo de jouer. Vous faites chier. C'est rigolo quand même de jouer avec des petits systèmes comme ça. Ouais, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Pour que ça puisse être imprimé facilement en plus. Voilà, et puis moi, tu vois, du coup, j'ai même pas encore pesé le. Genre, le pneu pèse quand même un petit peu, quoi. Ça, plus la roue, etc., ça va quand même être pas évident, quoi. Est-ce qu'une coque en nid d'abeille en dessous et non pleine, ce serait pas un bon compromis résistance-poids? Bah, ça dépend de ce que je mets en dessous. Moi, ce que je voulais mettre, c'était du PETG 1 mm. Donc, le PETG 1 mm, si tu veux, c'est très léger. Donc, je pense que j'aurais pas besoin de faire quelque chose de. Voilà, de creuser en nid d'abeille. Maintenant, je peux me tromper. Et si ça se trouve, en fait, ça marchera pas du tout. Il va falloir que je trouve une autre solution, quoi. Disons que 450 grammes, ça serait mieux pour moi. En fait, la compétition telle qu'elle est pensée aujourd'hui pour les joutes, c'est 800 grammes. 800 grammes, c'est pas mal, mais ça commence déjà à faire des robots qui sont beaux, en fait. En fait, 800 grammes, c'est ce robot-là, quoi, en gros. Mais j'aime bien l'idée d'avoir des robots très légers, quoi. Puis bon, il y en a plein qui font, donc c'est que c'est possible. Ils arrivent à intégrer des moteurs brushless dedans, donc je me dis que voilà, il y a quand même moyen de faire quelque chose de sympa en 150 grammes. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de le faire, d'aller jusqu'au bout de la démarche, parce que on sait jamais, quoi. Tu vois, tu te dis 150 grammes, ça va être trop petit, et puis finalement, peut-être c'est faisable, peut-être que juste il faut revoir sa manière de concevoir. Tu vois. Moi, je pensais pas. Ouais, je pensais pas concevoir. Déjà, je pensais pas que ça allait être aussi petit que ça, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment minuscule, quoi. Et là, j'ai fait une coque de 3 mm. Ce que j'ai vu sur Internet, les coques étaient beaucoup plus fines que ça. Je me suis même dit on aurait pu penser à autre chose. C'est que comme j'ai une thermoformeuse, j'aurais pas pu essayer là ce soir, enfin même avant de rentrer à la machinerie, mais comme on a une thermoformeuse à la machinerie, on aurait pu imaginer faire la coque, juste la plaque inférieure avec tout ce qui se monte dessus, et après faire la coque au-dessus à la thermoformeuse, en fait. Et du coup, en thermoformage, une plaque de PEHD, ça pèse rien, ça pèse rien, et c'est très facile à intégrer. Et du coup, ça peut être aussi une idée, en fait, pour pouvoir faire ce genre de robot-là. Tu peux y mettre un ballon d'hélium. Je sais pas si c'est interdit d'ailleurs, tiens, à la compète. Je sais que tu peux mettre des aimants pour te coller à la piste. Mais des ballons d'hélium, je sais pas. En même temps, un ballon d'hélium, là-dedans, si tu veux, fais le calcul, volume d'hélium, est-ce que tu dois garnier pour pouvoir te lever un petit peu. C'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Au pire, t'es sur le premier proto et t'as pas la compétition, tu peux toujours ajuster le poids du règlement avec ce que t'arrives à faire. Quitte à ajuster, je préférerais ajuster me dire que 150 grammes, c'est trop compliqué, et passer sur la gamme au-dessus. En fait, plutôt que d'ajuster le poids à ce qui m'arrange moi, en fait, tout simplement parce que le but c'est d'être raccord avec d'autres compétitions, en fait. Donc moi le but c'est de dire je commence au plus bas et je me dis bon 150 qu'est-ce que ça vaut et après on monte. Alors 220, alors attendez si on va sur
Faut que j'aille sur Wikipédia, je me souviens jamais des gammes. En fait, le truc, c'est que la FRA, ils font pas beaucoup de trucs. Bah, il y a un truc de Wikipédia, voilà. Je l'avais déjà sorti la semaine dernière. Ouais, voilà. Après, tu passes sur Spark, qui est la compétition américaine. Comment dire, la compétition nord-américaine. Et après, le règlement, il est un peu plus chiant, je trouve, à adapter. Et t'as moins de chances d'avoir des équipes nord-américaines que des équipes anglaises, en fait. Et moi, j'aimerais, comme on est plutôt en train de se tourner vers la FRA côté Maker Fight, j'ai l'impression, j'aurais bien aimé me caler dessus. Le problème, c'est qu'en FRA, il passe directement de 150 grammes à 1,5 kg. La Spark, elle est un peu plus progressive. Les 450 grammes sont intéressants, effectivement. Écoute, je vais encore y réfléchir. Et on s'en fout, quitte à en faire deux, tu vois, une compétition 150 et une compétition 450, et on fait les deux en même temps. Moi, ça me dérange pas plus. Au-dessus de 450, déjà 800, j'avais un doute, et 600, j'avais un doute aussi, et je trouve que c'est vraiment très lourd. Entre 150 et 450, c'est pas fou, ça peut se faire, moi je dis, ça peut se faire. Au-delà, ça commence à devenir des arènes un peu plus costauds, et les impacts vont être relativement forts et nous obliger à faire une protection autour de l'arène un peu plus chiadée que ce que j'ai en tête. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit quand même accessible dans beaucoup de Fab Labs, qu'il ne faille pas du matos de fou pour commencer, quoi. Non, ouais, 150 ou 450 après. À voir. De toute façon, après, même en 450, le matériel électronique est le même, c'est juste les moteurs qui changent. Voilà, c'est ni plus ni moins, quoi. Ni plus ni moins. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, à chaque fois, je me trompe. Parce que j'ai le démarrage qui est juste au-dessus de la webcam, c'est embêtant. Écoutez, mesdames, messieurs, c'était fort sympathique, ce petit live nocturne. Comme ça, j'ai pu faire un tout petit peu d'électronique pour l'année prochaine ou cette année, j'en sais rien. On ne sait plus, on ne sait pas. Et du coup, j'ai pu tester ce petit truc-là avant demain soir. Et puis, ben, écoutez, je vous donne rendez-vous demain soir pour la suite du châssis. Et puis, enfin, surtout, on va travailler sur les roues, on va refaire le proto de pneus, on va refaire le. Ben, on va faire un proto de roues aussi. Ce que j'aimerais bien, c'est de commencer par les roues, le lancer en impression, et puis après passer sur le pneu. Ça serait pas mal. Bonne nuit, Alf, bon courage à toi. Merci pour les réponses aux questions. Bah écoute, je t'en prie, Tuxune, je t'en prie. Tuxune 0, Tuxin, Tuxin 0. Écoute, Tuxune 0. bonne nuit, Kamikaze. Et on se retrouve, bah écoutez, la semaine prochaine, d'habitude. On se retrouve demain soir à 22h. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et puis, bah écoutez, bonne nuit. Bonne nuit, en fait. Très bonne nuit. Il est 2h16. Très très bonne nuit à vous et à plus. Salut à vous.